وقت يسكت شكرا ماما شادر زوا وتا شجع Les équipes de Médecins sans frontières ont participé ces dernières semaines à la vaccination de plus de 750 000 personnes contre la rougeole au Niger, au Tchad et au Soudan. Dans ces pays d'intervention, MSF participe également à la prise en charge des malades. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement du virus et seuls les symptômes peuvent être endigués. En janvier dernier, les autorités sanitaires nigériennes ont conduit une campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants de moins de 5 ans. Selon les calculs, plus de 90% des enfants avaient pu en profiter. Pourtant, 3500 cas de rougeole ont été détectés depuis le début de l'année dans les régions de Zinder et de Maradi, toutes deux situées au sud du pays. Au Nigeria, situé à la frontière sud du pays, la rougeole a coûté la vie à près de 165 enfants au cours des trois derniers mois. D'autres flambées ont lieu au Tchad puis au Soudan. C'est face à cette situation que Médecins sans frontières a décidé de procéder durant 7 semaines, à dater de mars 2008, à une campagne de masse ciblant tous les enfants âgés de moins de 15 ans, au Niger principalement, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Étendre l'âge cible de vaccination jusqu'au 15e anniversaire permet de diminuer de manière beaucoup plus importante la transmission que l'obtention d'une couverture vaccinale optimale jusqu'à 5 ans. C'est ce qu'il ressort d'une étude épidémiologique menée par Epicentre et MSF. Et c'est pour cela que les équipes ont complété la vaccination auparavant menée par les autorités nigériennes. Les régions de Zinder et de Maradi sont composées d'une partie urbaine et d'une partie très rurale. Ces deux contextes géographiques et démographiques très différents demandent d'adapter les stratégies de vaccination selon deux axes. D'une part, une vaccination de masse dans les villes pour éviter au plus vite toute transmission du virus, et d'autre part une intervention plus mobile dans chaque village. Au Niger, en raison de la défaillance immunitaire des enfants malnutris, les affections contre la rougeole mais aussi la méningite évoluent plus vite et plus sévèrement que chez les enfants en bonne santé. Elles sont souvent silencieuses mais contagieuses en phase initiale, retardant d'autant les mesures préventives. Puis elles sont rapidement explosives, conduisant à une mortalité aussi rapide que difficilement prévisible. Le taux de mortalité peut alors atteindre un enfant sur quatre. En parallèle des campagnes de vaccination préventive, les équipes de Médecins sans frontières, en coordination avec les autorités sanitaires locales, traitent les personnes malades et mettent en place une surveillance épidémiologique. Au Niger, 700 000 enfants de moins de 15 ans ont ainsi été vaccinés par MSF. 177 cas de rougeole ont été pris en charge par les équipes. Environ 10 nouveaux malades étaient découverts chaque jour et parmi eux, environ 3 nécessitaient un isolement. Début mai, le centre de soins comptait encore 18 enfants. Oui.